Nous allons voir avec cette vidéo comment partager facilement documents, images, musique, vidéo avec un autre ordinateur sur un réseau domestique. Ce partage est simplifié par la création d'un groupe résidentiel disponible sous Windows 7 et Windows 8. Nous allons créer le groupe résidentiel à partir de Windows 7 dans cette démonstration. Si vous utilisez les versions Windows 7 édition Starter ou édition familiale Premium, il est impossible de créer un groupe résidentiel, mais on peut rejoindre un groupe résidentiel créé par une autre version. Pour créer le groupe résidentiel, c'est assez simple, vous cliquez sur « Démarrer », ensuite sur « Panneau de configuration », et là, vous cherchez « Groupe résidentiel » et vous cliquez sur « Créer un groupe résidentiel ». Vous choisissez les éléments que vous voulez partager, les images, la musique, les vidéos, les documents et les imprimantes. Et vous cliquez sur « Suivant ». Il faut maintenant noter ce mot de passe qui permettra aux autres machines de se connecter à ce groupe résidentiel. Il faut simplement faire attention que les majuscules et minuscules sont importantes dans ce mot de passe. La confusion entre majuscules et minuscules empêcherait l'accès au groupe résidentiel. On clique sur terminer et voilà, l'ordinateur appartient maintenant à un groupe résidentiel. Nous avons vu que le mot de passe était un petit peu tarabiscoté, donc nous allons modifier le mot de passe pour que ce soit plus facile pour les utilisateurs du réseau résidentiel. On clique sur modifier le mot de passe et on remplace le mot de passe proposé par un simple mot de passe qui va être par exemple partage et puis partage-maison. Normalement on devrait pouvoir, voilà, modifier le mot de passe qui est maintenant partage maison. On peut l'imprimer ou alors simplement le donner aux utilisateurs qui veulent se connecter au groupe résidentiel.